Sentite, qua bisogna trovare un sistema per chiedere aiuto. È impossibile. Se per caso scoprono che una di noi è scappata, ammazzano le altre, lo sapete. E quelli non scherzano. Non vedono l'ora di ammazzarci. Ci ho già pensato. A loro non conviene. Non ci guadagnerebbero niente a farlo. L'hanno detto solo per spaventarci. E poi vale la pena di rischiare. Io ci provo. Posso scendere dalla finestra del bagno e corro via. Ma quelli si accorgono di tutto. Mi bastano 100 metri di vantaggio e non mi riacchiappano più. Però possono sempre spararti dietro. Ma ci penseranno 2 volte prima di sparare. Gli spari fanno baccano. Quelli sparano lo stesso. Io saprei come fare. E come? La strada giusta è quella dalla parte del mare. La sorvegliano poco ed è anche la meno esposta. Mi posso nascondere fra le rocce. E se riesco ad arrivare giù, basta un tuffo e via. Sarà un gioco raggiungere le ville dall'altra parte del promontorio. Sono sempre dell'idea di tentare la fuga. No, no, io non ci sto. Preferisco aspettare. Vi ammazzo! Hai bisogno di qualcosa? No, no, grazie. Dormi allora. Per sentire odor di femmina, cospetto più bravo perfetto. Sei un odore passato. Mi farfella, che occhio di poi. Tiriamoci un poco e scopriamo per bene. Già prese poco. Quand j'ai accepté votre proposition d'être pensionnaire. Mais je me pitoie sur moi. Et vous, maman, à cette époque, vous étiez en bonne santé. Et vous étiez si belle. Che anche tu vuoi farti suora? Non lo so più. Mi trovo tanto bene qui con gli zii. Che il Signore non poteva benedirti meglio. Sei veramente un uomo fortunato, Nicola. Sì? Ho proprio una bella famiglia. Disons qu'à un moment, nous nous sommes isolés. Où ça? Dans un bureau vide. Ah oui, pour jouer à la marelle. Et vous seriez prête à raconter tout ça à la barre d'un tribunal? Tout? Dans le détail? Oh, je ne pense pas que le détail intéresse la cour.
Non, simplement le fait que vous êtes enfermé avec lui une heure pour faire l'amour. S'il le faut. Et une dernière question avant de nous séparer. Est-ce qu'elle vous a proposé de vous épouser? Non. Pourquoi? Pour rien. Merci. C'est quoi? C'est nous, mademoiselle. C'est moi. Ça, c'est Jeanne. Et les types qui sont là-bas, c'est pas les paysans, ils touchent pas aux cadavres. C'est du Viet. C'était du Viet. Et ça vous fait rire? Mademoiselle, si on rigolait pas, il y a belle lurette qu'on serait mort de trouille. Vous employez les mots d'avant, les mots de mon enfance. Heureux, pas heureux. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Plus du tout. Vous savez, pour faire la guerre, ce qu'il faut, c'est pas de mémoire. Qui? De beaucoup de gens. Je ne sais plus qui. Oh, de toute façon, ça n'a plus d'importance. Vous auriez fait le plus mauvais officier de toute l'armée française. Possible. Et tant mieux. Buvez, c'est du raid. De leur faute.